Allez, on y va, les gars. Couché, Nestor. Salut, Herma. Au revoir, Herma. Salut, Nestor. On descend. Il est tard. Ça suffit, on ferme. Venir le chercher. Il a joué toute la nuit. Qu'est-ce qu'il a en ce moment? Allez, on s'en va tous les deux, hein? Non, oui. On a rendez-vous. Avec vous? Mais non, pas avec moi. Une dame. Quelle dame? Madame Barnier de Chambre, hôtel particulier dans le 16e. Oh, ça commence toujours par les problèmes de murs mitoyens et ça finit par la tragédie des Atrides. Des qui? Les Atrides, c'était des Hélènes, Hélène. Les Grecs. Bon chic, bon genre, bonne manière. Comme les Borgia, quoi. Mais non, les Grecs. Vous connaissez pas la guerre de Troie, hein, avec le prénom que vous avez. Et pourtant, tout a commencé à cause d'Hélène, Hélène. Si? C'est cette maison. Ah, c'est bien ce que je pensais. Le 13. Ça commence bien. Ah, vous m'attendez. Vous faites pas enlever, hein. Je vais partir. Parlez grec, Hélène. Nestor Burma, détective privé. Merci, monsieur. Si monsieur veut bien patienter quelques instants, madame ne saurait tarder. On dit que la première impression est toujours la bonne, surtout si elle est mauvaise. Et là, en entrant dans cette piole qui sentait l'aristocratie fauchée malgré le larbin en gilet, mon pressentiment était franchement, très franchement mauvais. Je savais déjà, sans l'avoir vu, que Madame Barnier de Chambre serait capable de tout pour sauver ses meubles. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Burma, Nathalie Barnier de Chambre. Pardonnez-moi de vous avoir convoqué si tôt et si hâtivement, mais les circonstances... Enfin, vous êtes bien détective. Je veux dire, privé. Tout à fait privé, madame. Et vous vous chargeriez d'une... enfin, disons d'une affaire. Mais c'est mon métier, madame. Je vais peut-être vous décevoir, mais c'est une affaire toute simple. Ouais, j'en doute pas. Enfin, toute simple donc, mais très privée. J'ai l'habitude. De quoi s'agit-il? On m'a volé des bijoux d'une très grande valeur et je voudrais les récupérer sans scandale. Je connais l'auteur du vol, c'est notre chauffeur. Pourquoi faire appel à un détective si vous connaissez le nom du voleur? Demandez à votre chauffeur de vous rendre les bijoux ou appeler la police? C'est-à-dire que je voudrais éviter la police. En fait, ce n'est pas si simple. J'ai congédié Célestin. Qui ça? Mon chauffeur. Enfin, notre chauffeur. On l'appelait Célestin comme les précédents. En réalité, son vrai nom, c'est Yves Bénec. Ce Célestin, vous l'avez congédié après le vol? Non, avant, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi vous l'avez congédié? Il ne me... Enfin, il ne nous donnait pas satisfaction. Voilà. Êtes-vous sûr que c'est lui qui a volé les bijoux? Évidemment, pour se venger d'avoir été congédié.
Où étaient ces bijoux? Dans ma chambre. Je veux dire, dans mon coffre. Alors, je suppose qu'il y a eu effraction. Eh bien, imaginez-vous que non. À votre avis, comment il a fait? Faut jeter un œil? À ma chambre? Non, au coffre. Le voici. Et la combinaison, il la connaissait? Je vous demande pardon? La combinaison du coffre. Bien sûr que non. Seul mon mari et moi la connaissons. Maman, t'es prête? Oh, pardon, je savais pas. Mon fils André. Monsieur Nestor Burma. Bonjour, monsieur. On y va, maman? Une seconde, mon chéri. Attends-moi en bas. Nous allons à Roland-Garros. Il est sélectionné pour les internationaux de France. J'adore le voir s'entraîner. Où en étais-je? Vous disiez que vous et votre mari, vous étiez les seuls à connaître la combinaison du coffre. Ah, oui, justement. J'aimerais éviter le scandale, surtout avant qu'il ne revienne. Il est en voyage? Il voyage beaucoup. Surtout en Afrique noire, pour ses affaires, vous comprenez? Je comprends. Vous avez dit des bijoux d'une grande valeur. 10 millions de francs, nouveaux. Ah, tout de même. Alors, ils étaient répertoriés, expertisés. J'ai tout le dossier là. Et voici 50 000 francs. Nous n'avons pas encore parlé d'honoraires. Non, mais cet argent est pour Célestin. Ah, vous offrez 50 000 francs à votre voleur? Oui, pour qu'il me rende mes bijoux. Qu'est-ce que vous voulez de moi exactement? Que vous trouviez mon chauffeur rue de la Tour à l'hôtel Regina et que vous demandiez la restitution immédiate des bijoux volés. Contre 50 000 francs. C'est simple. C'est simple. Vous êtes le nouveau chauffeur? J'ai une gueule à m'appeler Célestin. Vous sortez bien de chez ma tante? Vous êtes sa nièce? Vous pigez vite, et vous, son Jules? Ni Jules, ni Célestin. Appelez-moi Nestor. Je savais que ça vous ferait marrer. Comment peut-on vivre avec un nom pareil? Très mal, je le reconnais. Attendez. Dites la vieille, vous avez parlé de moi? La vieille? Oui, la mère Barnier de chambre. Elle veut me foutre en pension. Il paraît que je suis caractérielle. Ça fait 5 ans qu'elle me pompe avec des éducateurs, des psychologues. Vous êtes pas psy, au moins? Non, mais j'ai un divan chez moi, hein. Je peux vous recevoir 3 fois par semaine, volontiers. Vous êtes vraiment ringard. Tout à fait l'humour d'un représentant de commerce. Et votre prénom, c'est quoi? C'est Lolita ou Marie-Chantal? 3615, Suzanne. Rue de la Tour. Vous me laisserez dans un petit hôtel. Elle voulait vous voir pourquoi, cette dame? Son mari l'a trompée? Son chauffeur. Enfin, son faucheur. Il est parti avec 1 milliard de bijoux. 1 milliard? Et mais c'est le contrat du siècle. Nos tarifs plus les frais. Mais vous êtes fous, vous vous rendez pas compte. Un hôtel particulier dans le 16e. 1 milliard de bijoux, mais oh, ça vaut... Ne fatiguez pas, hein. Je suis engagé comme coursier. Je vois le voleur, je lui donne une enveloppe. Il me rend gentiment les bijoux, je reviens, je restitue les bijoux. À peine 1 heure et le dossier est clos. Vous avez des chambres avec le téléphone direct? Toutes nos chambres sont avec téléphone direct, monsieur. Vous n'avez pas de bagages? J'en ai, ouais. Je peux vous emprunter le journal pour les petites annonces? Bonne journée, monsieur. Vous cherchez un appartement? Non, du travail. Alors ce sera 3 jours d'avance. Ben voyons. Contentez-vous de ça. Je vous remercie, monsieur. Joséphine! Accompagnez monsieur à la 13.
Vous venez, monsieur? J'arrive. Voilà. Très bien. Très bien. Pour sortir, vous faites le 9. C'est pour la petite annonce de ce matin. Chauffeur de maître. C'est une blague ou c'est pour votre enquête? Vous avez bien besoin d'un chauffeur de maître ou je me trompe de numéro? Le chauffeur du maître, c'est moi. Parce que quand le maître est rond comme une queue de pelle, qu'il ramasse dans l'escalier. Ah. C'est pas mon jour. Vous cherchez du travail? Eh oui. Comme chauffeur? Eh oui, j'étais chez le vieux duc de Mormois. Vous étiez chez un duc? Ah. Il est mort récemment d'un accident d'auto. C'est lui qui conduisait. Je supportais pas d'être à la place du mort. Ah, dites donc, c'est drôle ce que vous dites. Parce que moi, j'en connais un chauffeur de maître. Même qu'il habite la chambre à côté. Non. Ouais. Oh, ben alors. J'étais au moins certain d'une chose. C'est qu'Yves Bennec ne se contentait pas de collectionner les bijoux. Yves, t'es là? C'est pas le moment, hein. Allez, va-t'en. Allez, écoute. Yves. Nestor. Alors, tu cherches un job? Bah j'y ai dit, hein. Mais c'est gentil, ça. Bon, bah je vais vous laisser, sinon le patron va me disputer. Bonne petite, hein. 7 sur 20. T'es qui, toi? Nestor Burma, détective privé. Ah, bravo. La mère Barnier de chambre en est là. Je vois pas ce que ça pouvait lui foutre, que je saute sa nièce. Ben, on va pas tourner autour du pot. 5 briques. 5 briques? Merde. Pour que je renonce à Suzanne? Joue pas au con avec moi, Bennec. Attends, et explique. Les bijoux. Tu les rends, tu prends ça et on n'en parle plus. Les bijoux? Quels bijoux? Les bijoux que t'as piqué à Madame Barnier de chambre. Parce qu'il pense que je vais piquer ses bijoux? J'ai confiance en tes capacités, mais tu vaux pas 5 briques. Alors, tu prends ou tu laisses? Ok. Mais les bijoux, je les ai pas ici. Tu me donnes 24 heures? Pas plus. Madame Barnier de chambre est pressée, et moi, j'ai autre chose à faire que de faire le coursier. Alors, demain, même heure, même endroit.
Dans le train. Et toi? Je croyais te redemander 24 heures. J'ai l'impression que t'as besoin d'un garde du corps. T'as raté de peu, l'autre con. T'as vu ça? Où t'es allé comme ça? Je prends l'air. C'est interdit? Ben, on va y aller ensemble. Où ça? J'ai ton fourgue. Elle te paie combien, la mère Bernier de Chambre, pour me faire chier? Pas beaucoup. 1000 francs par jour, TVA compris. Tiens! Monsieur Burma, pour vous, c'est urgent. Allô. Allô, monsieur Burma. Dommage, madame Barnier de Champs. Je dois vous voir tout de suite. Pardon? Venez vite. Qu'est-ce qui se passe? Je vous expliquerai dès que chez vous. Ah ben, le temps d'arriver? Il y a des jours, hein? Oui, surtout les nuits. Mais c'est épouvantable, c'est un homme affreux. Il est revenu ici, vous vous rendez compte? Comment il est entré? Mais il a dû conserver une clé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais rien! Comment ça, rien? Avec le vol de vos bijoux, vous aviez un sujet de conversation tout trouvé. Mais ce n'est pas moi que Célestin est venu voir cette nuit. Vous avez eu un accident? Oui, un espèce d'accident. Bah, avec votre espèce de chauffeur, là. J'ai fait votre proposition. Et puis il m'a donné une espèce de manchette. Je suis tombé dans un espèce d'escalier. 39 marches. J'ai compté. J'en étais sûr, c'est un type dangereux. Ah oui, on dirait bien. Mais il est venu pour quoi? Pour ma nièce. Ah, évidemment. 18 sur 20. Pardon? Oui, il donne des notes à ses conquêtes. Et il note ça sur un cahier d'écolier, avec des petits, vous savez, avec des petites lignes. Photos à l'appui. Vous avez vu ce cahier? Oui, mais pas les bijoux. On n'évitera pas le scandale. Ah, ça non. Où est votre nièce? Mais c'est pour ça que je voulais vous voir. Partie avec lui. Bon, alors, récapitule. Vous avez découvert les relations entre Benec et votre nièce. Vous l'avez foutu à la porte. Il vous vole vos bijoux. Vous m'appelez au secours, c'est ça? Mais dites-moi, cher monsieur Burma, dans ce cahier, il y avait... Enfin, comment dire... Oui. Ça y était aussi. Ah, et vous pourriez peut-être le faire disparaître. Je pense, oui. Bon. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Je me demandais, je croyais que papa était revenu. Bonsoir. C'est notre nouveau chauffeur. Pas exactement, non. J'ai engagé monsieur, mais pour autre chose. Je vous ai vu ce matin, non? Excusez-moi, la tennis est beau, je suppose. Bonne maman. Bon, monsieur. Mais je sais où est Suzanne. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est là qu'ils se rencontrent d'habitude. Qu'est-ce que c'est? C'est un hôtel particulier. Enfin, c'est mon mari qui le fait restaurer pour un ami à lui. C'est là que votre chauffeur rencontre ses petites amies? Oui, je crois. C'est pratique, j'ai pas loin de chez vous. Et vous avez raison, ils sont là.
C'est moi qui... Il est mort? Ah, ça, oui. C'est Yves? C'était. C'est pas le moment de faire des pédales, hein. Faut s'occuper d'elle. Alors vous choisissez, hein. Vous m'aidez ou je vous laisse, monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Trois fois rien. J'ai tué quelqu'un? Vous bilez pas, ça arrive tous les jours. Vous avez même failli en tuer deux. Qui êtes-vous? Le VRP Ringard, hein? Vous vous souvenez pas? Elle est shootée. Je ne sais pas, elle est droguée. Mais jusqu'à la gueule. Appelez vite un médecin. Et en même temps, la police. La police? Un cadavre là-bas, il n'est pas mort de vieillesse. Oh, vous voyez venir, vous. Hein? À cette heure-ci, je ne me vois pas aller jeter un cadavre dans la Seine ou aller l'enterrer à la Garenne Besançon. Je suis prête à vous donner beaucoup d'argent. Ça me fera une belle jambe en prison. Hein? Et vous y serez aussi pour complicité de meurtre. On retrouve toujours un cadavre. Il y a toujours un pêcheur du dimanche pour vous le ramener au bout de sa ligne ou un ramasseur de champignons qui met le nez dessus. Non, non, vous appelez un médecin. Moi, je vais faire un tour là-bas et je reviens. Vous pourriez faire moins de bruit? Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Vous devriez l'habiller un peu, la petite. André, je t'en prie, ne te mêle pas de ça, va te recoucher. Ah bon, tu as tes nerfs. Soir, monsieur. Oui, McEnroe. Qu'est-ce qui prouverait? Tout! Tout! J'ai rencontré Bennec, je lui ai parlé. Vous m'avez engagé, il a volé vos bijoux. Elle est droguée, elle va craquer, et vous aussi. Non, vous appelez un médecin. Et vous réfléchissez à ce que vous direz à la police. Quelques heures après le début de mon enquête, j'avais déjà un cadavre sur les bras. Ma cliente avait perdu les pédales et la criminelle était camée jusqu'à l'overdose. Cette simple affaire de bijoux volés commençait très fort. Sacré Bennec. Pour un serviteur qui aimait la position horizontale, il était servi et une balle en plein cœur. Faut toujours se méfier des jeunes filles de bonne famille, surtout quand on a un cœur d'artichaut. Les fringues de Suzanne traînaient derrière le sofa. Normal. Ce qui était moins, c'était le mobile du crime. Retour à la case départ. Tout se tenait trop bien, peut-être. Le crime parfait, avec l'assassin pris en flagrant délit, l'arme à la main. C'est bizarre. Mais cette fois, je n'y croyais pas du tout. Allô? Je suis chez le commissaire Farou. Nestor Burma, commissaire. Non, mais vous savez l'heure? Oui, je sais. Je sais l'heure. J'ai besoin d'un conseil. Alors, vous êtes dans le pétrin? Comment vous avez deviné? C'est exactement ça. Ah, il y a pétrin et pétrin. Si j'avais une balle dans le cœur, je serais plus dans le pétrin. Fabre est déjà là? Fou de joie. Il me voit déjà aux assises. Oh, vous pouvez pas lui demander d'aimer un type qui vous sort du lit à 4 heures du matin. Mes respects, monsieur le divisionnaire. Bonjour, docteur. Vous êtes sur l'affaire? Oui, par amitié pour monsieur Burma. Alors, à votre avis, c'est... Mort quasi instantané. Perforation du ventricule droit, grosse hémorragie interne. Un décès comme je les aime. Messieurs? Voilà un homme qui aime son métier. Eh, dites-moi, Burma, entre nous, c'est quand même curieux que vous vous soyez trouvé là, en pleine nuit, juste au moment d'un crime. Ah, je suis d'accord avec vous. À une nuance près. C'est que c'est quand même curieux que je me sois trouvé là, en pleine nuit, juste au moment d'un crime. Vous n'avez pas répondu à mes questions. J'enquêtais pour Madame Barnier de Chambre. Sa nièce a disparu, elle croit que c'est son chauffeur qui l'a enlevé. Et je suis venu à sa demande ici. On est arrivé 30 secondes en retard. Une scène passionnelle, à votre avis?
ça, faut lui demander. Hein. Dans l'état où elle est, c'est pas évident. Commissaire, l'arme du crime. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est pas ma pointure. Il y a des traces de silencieux sur le canon. Intéressant. Je vous assure que quand elle m'a tiré dessus, ça a fait pan. Elle a dû vous rater de peu. Hein. Je suis désolé pour vous, mon vieux. Bon, ben, faites relever les empreintes, c'est inutile à mon avis, mais enfin... Les douilles. Deux, on les a. Dites, vous êtes sûr de n'avoir été qu'un simple témoin dans cette affaire? On peut tomber dans l'escalier, non? Il est bien. Il est très bien. Vous voulez que je le suive, commissaire? Fabre, vous savez pourquoi vous ne serez jamais commissaire? Oui, non, commissaire. Parce qu'au lieu de suspecter le principal témoin, vous feriez mieux d'aller poser deux ou trois questions à celle qui a tué. J'allais vous le proposer. Ah, eh bien, on y va. Ah oui. C'est épouvantable, commissaire. Le médecin lui a fait une piqûre de l'avanium. La pauvre chérie. Suzanne, ma chérie, réveille-toi. Mais c'est une gamine. Docteur, vous savez ce qu'elle a avalé pour être dans cet état-là? Pas encore. J'attends le résultat des analyses. Mmh. Dites, commissaire, vous voulez que je place un inspecteur près d'elle? Non, non, elle plane, mais de là, s'envoler. Tenez, vous m'appelez au quai des Orfèvres dès qu'elle se réveillera. Madame Barnier de Chambre, j'aimerais vous poser quelques questions. Par ici. Petit déjeuner est servi, monsieur Burma. Vous m'avez menti, monsieur le détective privé. C'est tout. Si vous savez que c'est mon flingue et qu'il est chargé. Mais j'ai pas. C'est vous qui avez tué Yves Bennec? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Un inspecteur est venu à l'hôtel. Il m'a dit qu'il m'avait été assassiné cette nuit. Et que vous, vous étiez sur les lieux du crime. Quel con, ce Fabre. Je vous fais pas peur? Oh, j'ai l'habitude. Hey, je crois plus tard que cette nuit, il y en a une qui m'a braqué comme ça, comme vous le faites en ce moment. Elle a même tiré. La balle est passée à 10 cm de mon oreille. Épousez ça, j'ai aucune raison de tuer votre amant. Comment vous savez ça, vous? Si vous avez fait le ménage à fond, il a peut-être trouvé ce passionnant roman photo. Oh, le salaud. 7 sur 20. C'est pas gentil, hein? Je me fais toujours avoir par les mecs, moi. Vous plaignez pas, hein? C'est lui qui s'est fait avoir, là. Et pourtant bien noté, là, la femme qui l'a buté, 18 sur 20. Oh, mais quel salaud. Il couchait avec tout le monde, alors. Ouais. Il aimait les rapports multiples. Il avait l'air gentil, pourtant. Ouais. Soyez gentil. C'est ça. Allô? Bien dormi, monsieur Burma? On peut probablement dire ça. Le chauffeur a rendu les bijoux? Il a rendu l'homme. Une balle en plein cœur. Et même failli y passer. Enfin, passons. Quoi, on a voulu vous tuer? On dirait même que toutes les femmes du 16e se sont donné le mot. À l'heure où je vous parle, je suis encore sous la menace d'une arme. Mais Nestor! Mais Nestor! Répondez-moi! Oui. Ça devait arriver, hein. Ça surprend, ça surprend. Voilà. Les gifles, ça fait moins mal que les balles. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Hé, la course, vous la payez quand? La chambre de monsieur Burma. Comment? Monsieur Burma, c'est un de vos clients. Je viens d'entendre un coup de feu. Un coup de feu, où ça? Au téléphone, vous n'avez rien entendu? Au téléphone? Non. Mais vous le faites exprès! Le coup de feu venait d'ici, de sa chambre! Monsieur Burma, attendez. Mais je comprends pas, la police n'est pas encore là? Si, elle était ici il y a un instant. Quoi? Un client de l'hôtel a été assassiné. Non, c'est pas possible. Ah, chambre 13. Je vais l'appeler. Mais comment ça, l'appeler? Tiens, c'est bizarre, c'est occupé. Eh, hey, mademoiselle! Mademoiselle! Je vais vous masser. Vous allez voir, ça va vous décontracter. Bah, en ce moment, je suis un peu frileux. Hein. Pour un peu, j'aurais mis mon gilet pare-balles.
femme qui a insisté. Il paraît qu'il y a eu un coup de feu. Vous êtes monstrueux. C'est votre femme? Non, c'est juste ma secrétaire. Elle va pas me rater, hein. Vous avez de la chance d'être en vie, sinon je vous tuerais. C'est ce que je disais. Excusez-moi, ma petite dame, mais la course est 65 francs. Bon, on attend encore du monde ou vous êtes complet, là? Gardez la monnaie. Petite Hélène, hein, c'est pas du tout ce que vous pensez. Une boniche d'hôtel. Vraiment, vous me décevez, Burma. Elle me déçoit pas, moi. Comme kinésithérapeute, elle est parfaite. Kinésithérapeute? Vous avez de ces mots? Vous comptez rester longtemps dans cet hôtel? J'ai payé d'avance 3 jours. Je peux en profiter. Bah voyons. À propos de paiement pour mon salaire, c'est pas 3 jours d'avance que vous avez? Oui, je sais. 3 mois de retard. Je vous trouve très terre à terre en ce moment, hein. Tiens. Tenez. Pour vous remettre dans vos émotions, prenez ça comme un cadeau. J'ai pas entendu, là. Vous avez dit merci? C'est du toc. Vous avez l'intention de m'emmerder comme ça longtemps? Du toc. Vous avez trouvé ça dans un distributeur automatique? Vous plaisantez? Jamais avec les clients, monsieur. Cette broche a été estimée 750 000 francs. Vous plaisantez? J'ai l'expertise, là, sous les yeux. Navré, monsieur, mais je sais encore reconnaître un bout de verre taillé d'un diamant. 75 francs, tout au plus. Mmh, merci pour le cadeau, Burma. Je vais lui dire 2 mots à madame Barnier de Chambre. Ma pauvre petite, c'est terrible. Les policiers ont trouvé de la drogue dans sa chambre. Moi aussi, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le cahier des colliers? Non. Autre chose. On va en parler calmement. Vous connaissez ce bijou? Mais c'est ma broche, une des pièces volées. Eh ben, elle est fausse, votre broche. Non, mais vous plaisantez. Eh, non. Mais c'est pas possible. Ces bijoux sont d'une qualité exceptionnelle, rare même. Vous avez bien vu l'évaluation des experts. Ah, ben, on peut faire une copie, hein. Je dis bien, on... C'est absurde. Et qui aurait pu faire une chose pareille? Benec, c'est pas vraisemblable, mais il y en a d'autres sur cette affaire. Hein? Qu'est-ce que voulez-vous insinuer? Bah, y a vous, y a votre mari, votre nièce, votre fils, et tous les complices éventuels de Benec. Ça fait du monde, tout ça. Je me demande si j'ai bien fait de vous engager. C'est trop tard, maintenant. On est tous dans le bain. Quand est-ce qu'il rentre, votre mari? Vous n'avez quand même pas tout lui raconté? Écoutez, ça fait désordre, tout ça. Tout le monde me tire dessus. Hein? Ce sont les risques du métier, monsieur Burma. Ce sont les risques du métier, monsieur Burma. On va les partager, les risques. Regardez. Vous pariez 3 mois de votre salaire que c'est le père Barnier de Chambre. Mmh. Ben moi, je vous parie 1 an de salaire que le chauffeur de Mercedes est venu ici hier matin. Et si on se faisait une petite filature? Vous n'êtes pas superstitieux. La dernière fois que vous avez suivi un chauffeur, ça ne vous a pas réussi. Oh, mais cette fois, vous serez là pour me protéger. Ce rougissement. République orientale africaine. Approchez-vous. Mais ça va pas, non? Excusez-moi. J'ai eu un accident. J'ai glissé sur le frein, là, et... Bon, ben, je suis dans mon tort. Alors, je voudrais m'excuser auprès du chauffeur qui vient d'arriver, là. Monsieur Lozère, il est occupé? Ah, ben, c'est bien embêtant, parce que je voudrais lui donner mon adresse et puis prendre la sienne pour l'assurance. Il habite à Avenue Paul Doumer, au 24.
mais vous êtes un ange. Zavater, Burma. Tu me réveilles. Il est 3 heures. Je te paye pas pour faire la sieste. Bon, raconte, c'est quoi l'urgence? Ça existe toujours, les faussaires en joaillerie? Je veux, mon neveu. T'as besoin d'une liste officielle? Ah ben, t'as compris. Quelques noms parmi les meilleurs. C'est assez urgent pour que tu te lèves. C'est comme si c'était fait. Allez, salut. Adieu, ma belle, et prévenez-moi si ça va te rappeler. D'accord. Non, on sait toujours pas ce qu'elle a avalé, commissaire. Oui. On attend les analyses. Oui, ah bah... En au centre de... Et dans l'angle à droite. Elle dort toujours? Oui. C'est la belle au bois dormant. D'accord. Bon, il faut que je vous laisse, commissaire. Elle dort toujours? Ben oui. Eh, hey, vous devriez en faire autant. Les dépositions des assassins, c'est moi qui les recueille. Contentez-vous d'aller traquer l'adultère. Vous êtes tellement doué dans ce domaine. Vous voulez que je suive votre femme? Je vous ferai un prix. Ma femme? Pourquoi ma femme? La petite du 102, elle se réveille pas? Ouh, elle est pas prête, croyez-moi. Ah bon? Et on sait pas où ils vont chercher ça, les bourgeois. Enfin, qu'est-ce qu'elle a pris pour dormir comme ça? Des saloperies africaines, pardi. Vous connaissez l'écorce de banane? L'écorce de banane? Faites-en macérer dans de l'alcool de riz et vous m'en direz des nouvelles. Ça vous envoie en l'air comme notre bonne vierge Marie. Béni soit son saint nom. Au nom de Dieu. C'est vous, Burma? Oui, monsieur Barnier de Chambre. Je veux plus vous voir ici, c'est clair? Ici, là? Non, ni ici, ni ailleurs, nulle part, Burma. Disparaissez. Envoyez votre facture, elle sera honorée. Au revoir. À vous, au revoir, monsieur Barnier de Chambre. Non, je voulais dire adieu, Burma. C'est un mot qui se perd, mais il veut bien dire ce que je pense. Alors, adieu. Ah ben là, c'est clair. Alors, adieu, monsieur Barnier de Chambre. Merci de votre compréhension. Ah, Burma! Les affaires de ma femme sont mes affaires. Et les affaires de ma nièce sont mes affaires aussi. Et mes affaires se situent à un niveau qui n'est pas le vôtre, qui ne le sera jamais. Je me suis déjà adressé à qui de droit pour manifester un certain mécontentement dont on a tenu compte et on pourrait vous faire passer toute envie de poursuivre, si je le demande. Vous êtes intelligent, alors disparaissez. Ben j'essaye, hein. Voilà. Entre-temps, Hélène m'avait téléphoné. Le commissaire Farou voulait me voir. Ça faisait plaisir à entendre, quelqu'un qui s'intéressait à moi. Mais je sentais bien qu'il ne s'agirait pas d'une partie de plaisir. On allait tout déballer sur un tapis vert. Alors, toujours à l'hôtel Regina, paraît-il? C'est pour des vacances ou pour continuer l'enquête? Vous m'avez demandé de venir pour me dire ça. Joli coup. Vous jouez au billard? Jamais. Vous ne croyez pas à la culpabilité de Suzanne, hein? Pourtant, vous êtes le seul témoin. J'ai seulement entendu le coup de feu qui a tué Bennec. Tout de même tiré sur vous. Hein? Vous aimez ça, les gens qui tirent sur vous? J'aime les innocents. Pourquoi toutes ces questions? Elle s'est réveillée? Oui, elle est sortie du coltard. Mais j'ai rien pu en tirer. Enfin, pas grand-chose. Faut dire qu'elle était sacrément droguée. A-t-elle tiré sur Bennec? Elle ne sait pas. Le chauffeur était-il son amant? Elle ne sait pas. A-t-elle tiré sur vous? Elle ne sait pas. Pas facile, vous savez, de s'acharner sur une gosse de 17 ans. Alors vraiment, ça vous tente pas? Vous voulez pas... Non, merci. C'est drogué depuis longtemps? Oh, ben ça, probablement, oui. Ça, c'est la génération. Et la petite n'échappait pas à la règle. Hein. 6 psychothérapies en 3 ans, dixit madame Barnier de Chambre. Au fait, le chauffeur couche avec elle? Avec qui? Avec madame Barnier de Chambre. Oui. Confidentiellement, oui. Et qui vous le dit? C'est Bennec. Sans vantardise.
Et c'est pour ça qu'elle vous a engagé, parce qu'elle était jalouse, Madame Barnier de Chambre. Elle voulait savoir s'il y avait une autre femme. Et vous avez trouvé qui? Personne. Alors c'est pour des histoires de cul que j'aurai la DST, les RG et l'intérieur sur le dos. Vous allez arrêter de dire des conneries, Burma. Hein? Il n'y a pas une heure, vous étiez encore à l'hôpital en train de fouiner. Alors vous allez me laisser tomber ça, Burma. Vous m'entendez? Laissez tomber. Permettez? Au fait, qu'est-ce qu'il représente, M. Barnier de Champs? Un pays de 40 millions d'habitants, qu'il nourrit et il fait mourir à volonté. La ROA, je suppose. C'est ça. La République orientale africaine, dont il a financé la dernière révolution, 300 000 disparus. Ça vous dit quelque chose? Ils sont comme ça, là-bas. Oui, oui, mais c'est loin, hein. Tandis que, en ce qui vous concerne, sachez que l'hôtel particulier où le chauffeur a été refroidi lui appartient à la ROA. Le président Diou, le guide du peuple, la lumière du monde, le phare du progrès. On vous appellera jamais comme ça, vous, ni moi. Alors laissez tomber, Burma, laissez tomber. Vous aussi, vous devriez laisser tomber. Il y avait décidément trop de gens pour me dire laisser tomber, Burma. Qu'un fonctionnaire de police préfère jouer au billard, passe encore. Je comprenais ce brave Farou. Mais moi, j'avais envie de jouer une partie autrement plus excitante. Asseyez-vous. Ah, je m'appelle... Nestor Burma, je sais. Ah. Caroline? Caroline, je te présente Nestor Burma, détective privé. Que préférez-vous? Ah, ce que je préfère. C'est ce que vous voulez. Je suis venu pour le constat. Cessez de jouer au con. Cet accident, vous l'avez provoqué, non? Alors, on commence par parler bijoux? Oui. Ah, merci. En fait, les bijoux appartiennent à la ROA, patrimoine national, M. Burma. Et le président Diou en était le dépositaire. Pour des raisons qui ne vous regardent pas, il les avait confiés à M. Barnier de Chambre. Merci, ma chérie. Va dans la chambre et déshabille-toi. J'en ai pour 5 minutes. Je fais toujours l'amour l'après-midi. Je ne pas vous perturber dans votre programme. Le désir s'accroît quand l'effet se recule. C'est une belle phrase. Elle est le corneille. Comment va-t-il? Les bijoux, donc. Je dois les récupérer. Vous aussi. Le président Diou est très mécontent. Il peut même être très désagréable dans certaines situations. Et nous sommes dans une de ces situations. Par ailleurs, je vous préviens... J'aime beaucoup Suzanne. Suzanne? 200 000 francs pour récupérer les diamants, ça vous irait? À ce point-là? Je vous l'ai dit, le président Diou n'est pas content. Et vous aimez Suzanne, je vois. Non, vous ne voyez pas. Je peux réfléchir, d'accord? D'accord, mais vite. Ah, hein? Il se sert de ça quand il n'est pas content, votre président? 200 000 francs, c'est une drôle de somme, non? C'est un drôle de chauffeur, aussi. Drôle de privé. Oh, privé de ressources. Alors, on est fait pour s'entendre. Possible. Bon après-midi.
en reste. Mais en reste de quoi? Bah de la broche. C'est du toc aussi, ça. Du toc? C'était pour enregistrer vos concerts. Ah bah merci. Merci. Nestor, j'ai déniché 4 faussaires, tous retirés. Qui c'est le meilleur? Ah non, le meilleur je sais pas, mais le plus fripouille c'est un type qui s'appelle Van Rosen. Très beau pédigré. Ah oui, 10 ans de prison. Oui, ben moi, c'est en prison que j'ai rencontré le type bien. Et ça risque pas de vous arriver. Messieurs, peut y aller aussi en taule. Non, mais c'est pour dire, c'est facile d'être propre quand on n'a jamais été sale. Oui, ben votre contact, ça peut m'arriver. Non, hein. Mais tu vois, elle me cherche. C'est sa façon de te faire du charme. Ah oui, hein? Alors vous arrêtez. Van Rosen, quelle adresse? Bagnolet. Et ben voilà. Excusez-moi, c'est de ma faute. Vous ne pouvez pas savoir? C'est pour l'aide sociale? Ah, pas du tout. Tenez. Privé, hein? M'excusez une seconde. C'est difficile, les tambours. Bon, c'est à quel sujet? Oui, et alors? C'est vous qui avez fait ça? Pourquoi moi? Il y en a des faussaires, vous savez. Moi, je ne travaille plus depuis longtemps. Je joue aux soldats de plomb. Les armoiries sur le rideau. Oh, ça, c'est mon enseigne. Vous savez comment sont les gens? La noblesse, ça rassure. Quel monde! Ils ne m'ont rien laissé. Rien. J'étais mis en prison, tenez. Ah oui. Désespérez pas, hein. On peut toujours y retourner, en prison. 10 ans sans femme. Vous imaginez ça? On ne dirait pas, mais j'ai eu les plus belles. Les plus belles, mademoiselle. Elles venaient chez moi. Elles me disaient, Hector, je voudrais vendre ce diamant. Vous pourriez me faire une copie? Surtout qu'ils ne se doutent pas. Ils, c'était leur amant, leur mari, des fois. Elles avaient besoin d'argent. Tenez, c'était moi, ça. On me reconnaît? Oh, mais très bien. Vous n'avez pas changé. Monsieur Burman n'est pas d'accord? Je suis. Madame Rodriguez est une de celles qui vous appelait Hector? C'est la gardienne de la cité. Elle vient jouer à la canasta tous les mercredis soirs avec moi et elle époussette ma collection d'un plumeau, je dois dire, aérien. Pauvre Hector, vous avez été un peu vache. C'est par pure méchanceté. J'aime pas qu'on me prenne pour un con. Vous avez vu ce qu'il y a sur mes cartes de visite? Bernard Tarpon qui la tue en tout genre. Le Tarpon qui est-ce? C'est quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas ça curieux? Le type là, il me connaît pas? Il m'appelle Burma. Vous, ça vous dérange pas? Je suis fière de vous. Voilà. Je poursuis l'enquête et je vous rappelle. De l'hôtel, je suppose? Oui, enfin non, certainement. Vous allez retourner chez Van Rosen? Exact. Oh, ne bousculez pas trop ce cher Hector. On tâchera. Il n'y avait plus rien à faire pour Van Rosen. Celui qui l'avait frappé lui avait laissé aucune chance. Hélène,
Vous allez me trouver une Peugeot 405 gris métallisé modèle GR, louée, empruntée, volée, je sais pas exactement. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait, Zavater? Il devrait être là depuis une heure. Oh, oui, oui. Bien, là. Alors, pour la Peugeot, vous allez chercher dans les agences du 16e. Burma, vous aviez promis à Faro de laisser tomber. Il faut jamais donner sa parole à un flic, surtout quand il joue mal au billard. Hein, mon bébé? Salut. Ah, alors, Van Rosen, tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé. Ben, raconte. Le faussaire Barnier de Champs, c'était lui? Oh, il n'a pas été très bavard. Il ne le sera plus jamais. Oh. Et dis-moi, dans cette affaire, on commence à se cogner sur un tas de macabées, hein. Pardon, pardon, pardon. Tu vas me filer le fils Barnier de Champs. Et qui c'est? Un joueur de tennis. Toujours l'air d'avoir trop dormi ou pas assez. Et maintenant, tu m'emmènes à l'hôpital. Ah, enfin, t'as décidé de te faire soigner. Adieu, ma belle. Ah, donnez manger à Marie-Fifi. Salut. Allô? L'agence de la muette? Allô? Inspecteur, téléphone. Il fabre l'appareil. Allô? Ma femme? Comment ça, ma femme? Qui êtes-vous, monsieur? Votre voisin de palier, monsieur l'inspecteur. Et si je vous appelle, c'est qu'il est temps, au bout de 2 ans, d'éclaircir la situation. Deux ans? Oui. Oui, pour moi et ma maîtresse. Enfin, je veux dire, votre femme. Ouais, c'était devenu intenable, vous savez. Se cacher, toujours se cacher. Patronique, vous êtes prise en charge à 100%. Bon, alors je peux compter sur vous, monsieur l'inspecteur, hein? Vous m'arrangez ça? Allô? 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 À quoi on joue, là? Gendarmerie au voleur, c'est pas vivant! Votre tante vous a réveillé en pleine nuit. C'était la nuit. Ben oui, c'était la nuit. On avait dit que c'était la nuit. C'est votre tante qui vous a déguisé en pute. Je sais pas. Ou alors c'est Benek. Benek? Il est mort, vous m'avez dit. Ben oui. Et c'est vous qui êtes soupçonné du meurtre. Pourquoi j'aurais fait ça? Il me faisait du bien. Il est mort comment déjà? Il est mort avec une balle de 9 mm tirée à bout portant en plein cœur. Par vous. Enfin, on croit que c'est vous. Et je suis où, là? Moi, vous êtes chez moi. On vous a enlevé. Pourquoi vous m'avez enlevé? Ah, ben, pour changer d'air, hein. Le 16e, vous vaut rien du tout. Ici, c'est moins chic qu'à Passy, mais le taux de mortalité est moins élevé. Qu'est-ce que je vais faire ici, toute seule? Ah, ça, vous pourrez pas vous amuser avec un 9 mm, hein? Vous défoncez à l'écorce de banane. On est vieux jeu, ici. Vous pourrez apprendre le saxophone. C'est votre violon d'ingre? Non. C'est un saxo. C'est pas un violon. Salut Marie, si tu veux. Bonjour, commissaire. Van Rosen est mort. Ce nom vous dit quelque chose? Ouais. Ah. Alors, chaque fois qu'il y a un cadavre, vous tombez dessus. Vous. C'est pas exprès, hein. Chaque fois qu'il y a un type qui veut se faire assassiner, consulte mon agenda. 18 coups de couteau. J'aurais dit 20. 18 seulement, et vos empreintes partout. Vous me soupçonnez? Il me soupçonne? Non, mais il tient essentiellement à vous emmerder. Ben voilà, je l'ai dit. Mon Burman, là, vous charriez, non, franchement, de quoi j'ai l'air, moi, hein? Qui c'est Lozère? On vous a rincardé. Oui, on m'a dit qu'il était parfaitement capable de découper un type en rondelles, surtout avec un couteau africain. Non, pourquoi? Parce qu'à l'heure du crime, il se faisait une fille sublime. Je vous avais pourtant demandé de laisser tomber. Moi, je ne suis qu'un fonctionnaire, moi. Vous croyez que ça m'amuserait d'être muté à Commercy ou à Bar-le-Duc? J'irai vous voir. Bonjour à la Canasta. Canasta. Tiens, à propos, qui c'est Madame Rodriguez? Madame Rodriguez? Ouais. Une dame de compagnie. Oui, ben, elle pleurait comme un veau. À la prochaine fois que vous avez une idée, Burma, vous m'en parlez avant qu'il y ait un troisième cadavre, OK? Ouais. Vous lui dites. Oh, mais ça sert à rien, il écoute personne. Bon, alors je vais vider mon sac. Ah,
Madame Barnier de Chambre m'a engagé pour retrouver les bijoux qu'elle croyait que son chauffeur avait volés. En fait, les bijoux ont été confiés au Barnier de Chambre par le président Diou, qui maintenant, eh ben, insiste lourdement pour les récupérer. C'est bien ce que je disais, ça sera Bar-le-Duc. Et qu'est-ce qu'il foutait là-dedans, votre Van Rosen ? À défaut. Vu que c'est un faussaire. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Il n'en a pas lâché une. Et puis j'étais là, hein. Ils m'ont pas, pour une fois. Écoutez, je n'aime pas beaucoup me répéter, mais vos empreintes sont partout chez Van Rosen. Les miennes aussi. Alors écoutez, arrêtez les frères Burma, hein. Je ne veux plus vous voir sur cette affaire. Ni vous, ni moi, ni personne. D'ailleurs, j'ai pas faim. L'addition, c'est pour moi. Champagne. Non. Bière, comme d'habitude, hein. Entendu, commissaire. Alors, raconte. Alors, ça fait trois nuits qu'il vient là. Dernier rendez-vous. Des filles à 5 000 la nuit et que des canons. 5 000 balles par nuit, ça fait pas mal d'argent de poche par mois, hein. Entre le prix de la suite et les bijoux qu'il offre aux filles, le compteur tourne vite. Il offre aussi des bijoux. Tiens, les Loufia qui m'a regardé. Tiens, regarde. Baiser. T'as vu la bagnole qu'il a? Tiens, regarde, on n'est pas tout seul à le suivre. Attends. C'est pas lui qui est suivi, c'est nous. Alors qu'est-ce qu'on fait, boss? Maintenant. Ok, on y va. Fabre! Pour quand vous me perdriez, je rentre à mon hôtel. Oui, Suzanne. Suzanne? Qui est Suzanne? Burma, allez! Burma. Nestor, Burma. Van quoi? Rosen. Van Rosen. Jamais entendu parler de ce nom-là. C'est tout ce que vous aviez à me dire? Non. Vous voulez pas savoir ce qu'il faisait? En quoi est-ce que cela peut bien m'intéresser? Ben vous, je sais pas, mais... Madame, peut-être. C'était un faussaire. Il faisait des faux. Il faisait des faux pour vous. Enfin, je dis bien, faisait. Parce qu'aujourd'hui, il va vous faire cruellement des faux. En un seul. Où voulez-vous en venir à la fin? À ceci. Benek a rien volé du tout. Il est mort pour avoir découvert le nom du vrai voleur qui lui a donné rendez-vous à l'hôtel en réfection juste avant notre arrivée. Mais Benek a été tué par Suzanne, vous étiez là. Oh, la pauvre Suzanne. Elle rattrape un éléphant dans un corridor. La preuve, je suis là. Et ce faussaire, on peut le trouver où? À la morgue. Mais la seule chose qu'il ait jamais falsifiée de son vivant, c'est son cadavre. 20 coups de couteau. Et mort pour de vrai. Il pouvait difficilement faire autrement sans être ridicule. Une vraie boucherie. Et tous ces soldats qui sont partis avec lui, là, étendus devant moi. Des soldats? De plomb, mais tout de même. Vos salades m'ennuient, Burma. Et quand je dis m'ennuie, je pèse mes mots. Vous n'avez pas fini de vous ennuyer, monsieur Barnier de Chambre. Parce que l'ennui, c'est qu'il y a plein de bavards à la meute. Et les morts parlent. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est une conversation assez piquante, si je peux dire, entre Van Rosen et son assassin. Voilà. Alors, je m'excuse de la qualité technique, les aléas du direct. Sortez, Durbin.
Attention à ce que vous faites, j'ai le bras long. Comme le couteau que vous avez fauché à Lozère? Je vous ai dit, j'ai le bras long. Et moi, je vous dis, comme le couteau que vous avez fauché à Lozère. Qu'est-ce qui t'a appris d'engager un emmerdeur pareil? Enlevez vos gants, monsieur Barnier de Chambre. Non, une maladie de peau contractée en Afrique, c'est pas très beau à voir. Ah, l'Afrique, effectivement. Ah, justement, l'Afrique. L'Afrique se fâche, Van Rosen. Le président Diou veut récupérer ses bijoux. Et c'est pour ça qu'on m'avait demandé de faire ces fous. Peu importe, je veux les vrais Van Rosen. Et tout de suite. Vous prendrez bien un petit verre de kirsch? Je suis pressé. C'est quoi cette valise? Vous vous apprêtiez à partir en voyage? Ah oui, toutes ces visites en ce moment. Vous savez, je ne suis plus tranquille. Tenez, il y a un quart d'heure, c'était le privé dont vous m'avez parlé, Nestor Burma. Et si on est pris, qu'est-ce qu'on risque? Le Max, fermez la porte. Pourquoi on est là? Parce que tout est là. Qu'est-ce que vous regardez? Cette chaise me fait penser à une autre chaise, dans un autre hôtel. Dans une autre vie. Merci, Joséphine. Qu'est-ce que c'est? C'est la preuve. La preuve par 9. Comme 9 mm. J'ai entendu 2 coups de feu. Hein? L'un a tué Bennec, l'autre a failli me tuer. Et cette troisième balle prouve qu'il y en a eu un autre. Un autre qui a été tiré quand Bennec a été vraiment tué. Et le revolver a été muni d'un silencieux. Ça prouve simplement que Suzanne a tiré 3 fois. Ça prouve surtout l'existence d'une mise en scène qui m'était spécialement destinée. J'étais le témoin idéal. Et la pauvre Suzanne, droguée jusqu'à la gueule, était la parfaite actrice de cette pièce. Bon, bah alors qui a tué Bennec? Quand même pas Monsieur Barnier de Chambre, il est en Afrique. Le fils Barnier de Chambre? Non, non, impossible. Vous l'avez vu avant et après le crime. Et vous dites avant et après? Bon, on pourrait pas en parler ailleurs. J'aime pas cette maison. Non, 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 attendez. Il y a forcément une autre entrée. Sinon, j'aurais rencontré l'assassin. Par là. Comment ça, par là? Par là. Quand vous êtes arrivé par ici, Bennec était couché là. Il était souvent couché? Oui, mais là, il était mort, Suzanne. Lâchez ça. C'est important. Combien de fois vous avez tiré? Une fois sur vous, et puis l'autre... Sur Bennec? Je sais pas, le coup est parti tout seul. J'ai dû tirer 2 fois. Qui vous a donné ce revolver? Je sais pas. Un homme. Qui? Il était masqué. Ah. Et donc, il vous connaissait très bien. Regardez. Voilà l'itinéraire qu'il a pris. Pour sortir. Et donc, ça vous amuse de soustraire les criminels à la justice? Alors non seulement vous ne le laissez pas tomber, mais en plus, vous vous acharnez à me mettre des bâtons dans les roues! Commissaire! On va pas jouer à la guerre des polices, pas nous. Mais qu'est-ce que vous faites d'autre en ce moment? Hein? Vous savez très bien que je peux vous coffrer. Mais contentez-vous de coffrer les vrais criminels. Alors, qu'est-ce que vous me chantez là encore? Ce soir, je les ai convoqués sur les lieux du crime, pour une petite reconstitution. Décidément, je vais vous coffrer, Nestor. Attendez ce soir, Florimond. Vous croyez qu'ils viendront? Non, ils manqueront pas de venir. Je leur ai dit que j'avais retrouvé les vrais bijoux. Et de toute façon, j'étais engagé pour ça, non?
Vous avez les bijoux? Oui, oui. Et je vais vous les rendre. Je vais vous rendre votre nièce et par la même occasion, mon tablier. Et pourquoi dans cet endroit? Ah, bah, c'est une excellente question, ça. Parce que, tout simplement, cet endroit vous est très familier. Je ne vois pas pourquoi. Oui, pas pourquoi. Alors, regardez. Je suis Yves Benec. Je viens d'entrer dans le pavillon où André Barnier de Chambre m'a donné rendez-vous après avoir tenté de m'assassiner au volant d'une voiture de location. Vous dites n'importe quoi. Pourtant, Yves Benec est bel et bien devant vous. Il est 23 heures environ. Benec sait que c'est vous qui avez volé les bijoux et qu'il est accusé à tort. Oh, il veut bien être congédié pour avoir couché avec Suzanne après avoir couché avec sa patronne. Mais être accusé du vol d'un milliard de centimes, non. Comme il est mariole, il a compris, en vous faisant chanter, il pourrait obtenir plus que les 50 000 francs que vous lui avez proposés. Alors, l'explication entre vous et Benec tourne court. Vous le tuez d'une balle dans le cœur, avec un revolver, un silencieux. Psst. Ça ne tient pas debout. Comme Benec, qui s'écroule aussitôt. Alors là, vous paniquez et vous rentrez dardard chez maman. Vous relatez le crime et vous avouez le vol des bijoux. Oh, je ne sais pas si c'est elle ou vous. Enfin, vous imaginez le plan suivant. Pareil. Vous droguez Suzanne pour lui faire jouer un rôle auquel elle n'a jamais rien compris. La pauvre. Vous l'habillez, enfin, vous la déguisez en pute pour accréditer le scénario d'une orgie entre elle et Benec. Entre-temps, vous vous débrouillez pour apparaître en pyjama devant moi, comme une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Madame Barnier de Chambre, sciemment, me retient chez elle pour vous laisser le temps de jouer le dernier acte de la mise en scène qui m'est destinée. À 2 heures, j'arrive ici avec votre mère, faussement catastrophée, mais réellement complice. Et alors là, regardez bien. Je ne suis plus Yves Benec, mais je suis André Barnier de Chambre. Je soutiens toujours Suzanne. J'entends Burma et ma mère entrer dans le parc. Je mets mon flingue dans la main de Suzanne, sans silencieux cette fois. Je presse sur la détente dans la direction de cette chaise. Parce que je sais que Burma entendra la détonation et qu'il en déduira que c'est Suzanne qui a tué Benec. Et je disparais par la seconde entrée. Burma arrive. Moi. Suzanne me tire dessus. Sans le vouloir, la pauvre, elle est drôle. C'est inespéré, la voilà, coupable à 200%. Et tout ça, pour quelques bijoux, comme celui-ci, jeté à côté du cadavre de Benec, par vous, André Barnier de Chambre. Les faux bijoux volés par le fils, les vrais, disparus depuis longtemps, fourgués par le papa, un certain Van Rosen. Tout était faux ce soir-là. Les détonations, les bijoux, le voleur, l'assassin, sauf le mort. Hey. Pauvre Benec. Pauvre Benec. Eh bien, ça tient debout. Plus pour longtemps, monsieur Burma. Fallait pas jouer le rôle de Benec. C'était un rôle intenable. Police, n'en bougez plus! Entrez! Allez, embarquez! Burma, nom de Dieu! Nom de Dieu, Burma! Oh, c'est ma faute. J'aurais jamais dû me laisser. La presse est là? Oh. Non, dommage. Oh. Ah. Je trouvais que la nuit était fraîche, alors j'ai mis mon gilet pare-balles. Merci, Burma. Eh ben voilà, l'affaire est close. Et Barnier de Chambre? Ah bah c'est aucun chef d'inculpation contre lui. Vous voulez que je vous fasse un dessin, non? Bon, allez, ça va, Burma, laissez-nous. Non, sans blague, Burma, je vous suis très reconnaissant, vraiment. Je m'en fous de votre reconnaissance, hein. Que vous voulez une cible, tiens, prenez Fabre, voilà. Et sans gilet pare-balles. Ça fera un con de moins, firmament des bavures. Burma! Je porte plainte! Il porte plainte. Mais vous êtes nul, Fabre. Vous êtes nul. C'est pas ce qui me retient. Mais ce qui vous retient, c'est la trouille. Parce que je joue pas le jeu. Hein. Je vous mets une claque et vous pleurez comme un môme. Ah oui. Non, pas de claque.
Un coup de pied dans le cul, comme ça je verrai pas sa gueule de faux témoin. En 40, vous auriez fait un malheur dans la Gestapo. Si, si. Allez, venez, ma chérie. Là, vous l'avez fâché. Partez pour l'Afrique, je suppose. Eh oui, l'Afrique. Et j'ai un vrai faux passeport, celui qu'on procure aux amis qui peuvent devenir trop bavards. Votre fils et votre femme sont en tôle, vous le savez. Faut bien que les coupables paient, non? C'est une belle ordure. C'est pour me dire ça que vous êtes venu ici? Non, c'est pour les bijoux. Comment vous allez faire pour les passer? Que vous me croyez ou non, je ne les ai pas. Pour ça, j'ai cherché. Tenez, j'étais prêt à disséquer Van Rosen pour les trouver. Vous n'avez pas eu le temps. Précisément. J'ai tout retourné chez lui. Rien. J'aurais bien aimé le faire parler, et puis je me suis énervé, puis après c'était trop tard. Faut pas s'énerver. Confidentiellement, mon fils n'est pas mon fils. C'est celui d'un chauffeur de ma femme, un de ces célestins qui passe ou trépasse. Alors vous savez, ce sont pour moi deux parfaits étrangers qui sont en prison. Et s'ils portent mon nom, qui n'est déjà plus le mien, c'est une pure coïncidence. Salut, Burma. Ah si, je peux aller au Kenya avec un fusil à lunettes et puis l'abattre à la place d'un éléphant et vendre ses dents à des marchands d'ivoire. Ah bon, c'est permis ça? Avec les éléphants, oui. Mais pas avec les assassins. C'est ça le monde, ma petite Joséphine. C'est ça le monde. Pourquoi vous partez si vite? Ah ben, parce qu'il faut quitter les chambres avant midi. Vous allez me quitter moi aussi. On vous quitte jamais, hein, vous? Un peu, peut-être. Un peu beaucoup. De toute façon, passionnément. Déjà, j'ai un cadeau pour vous, tenez. Dans la poche droite de ma veste. Voilà. Oh, ça, c'est gentil, alors. Ah non, 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 dans la poche droite, j'ai dit, Joséphine. Non. Quelque chose de plus féminin. Ah, c'est mignon. Il y en avait plein des comme ça dans les pochettes surprises à la foire du trou. Oui, ben je l'ai trouvé dans une pochette surprise, celui-là aussi. Salut, Burma. Alors là, on fait la valise, hein. Je vois. C'est arrivé pour vous. Pas comme ça, les chemises. Comme ça. Vous êtes libre ce soir, Hélène? Je crois, oui. Qu'est-ce qu'elle a? Un cœur gros comme ça. On est invité à l'ambassade de la Roa par Lozère soi-même. Rappelez Lozère. Le chauffeur? Hein? Et j'ai pas une bonne nouvelle pour lui. Vous avez encore abîmé sa voiture. Non, mais j'ai pas retrouvé les bijoux. Ah, ben c'est pas trop tôt. Et voilà. Vous vous foutez du monde, hein, Burma? Ça fait une heure que je poirote. Venez. Voilà. Hein? Au nom de Dieu. Quoi? L'horloge. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette horloge? Venez. J'en ai marre. Je sais, j'aime pas arriver les mains vides. Et vous pensez trouver quoi chez Van Rosen? Une horloge comtoise. Mais qu'est-ce que vous avez avec les horloges? Vous devenez maniaque? Et vous vous rendez compte, vous avez brisé les scellés. Comment voulez-vous qu'on entre? Vous vous rappelez le bruit que faisait l'horloge? Oui. Et ben, on l'entendait pas sur la bande. On l'entendait pas. Mais c'est vrai, on l'entendait pas. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un poids derrière le balancier qui l'alourdissait et l'immobilisait.
Et c'était ça. Bravo. Ils sont tous là, monsieur Lozère. Appelez-moi, monsieur l'ambassadeur, si ça ne vous dérange pas. Encore bravo. Si. Et si j'avais gardé les bijoux? Je suis aussi le tueur officiel de la présidence. Ah, merci de me prévenir, monsieur l'ambassadeur. Oh. Ah, vous vous connaissez, je crois. Oui, la dernière fois qu'on s'est vu, elle était un peu... La dernière fois, elle n'était pas encore ma fiancée. Ah. C'est chose faite aujourd'hui. Félicitations. Chérie, choisissez ce qui vous plaît là-dedans. Ah oui, ah, c'est un bon choix. Vous permettez? Pardon. Voilà. Ravissant. Allons tous fêter ça. Voilà, je vais pouvoir vous payer votre dernier trimestre. Ça fait le compte. Comment ça, je vous dois 200 000 francs? Non, 30 000 pour moi et les 170 000 que vous devez aux impôts, avec les pénalités de retard. Vous aviez oublié. Tout se passe bien, monsieur Burmain? Oui, monsieur l'ambassadeur. Sauf que je suis navré d'avoir laissé échapper monsieur Barnier de Chambre. Vous connaissez le dicton? Un homme ne court jamais aussi vite qu'une balle de fusil. Tenez, j'ai gardé ça pour vous. Ça va vous amuser, je crois. Safari tragique, Xavier Barnier de Chambre, l'industriel bien connu, tué à la place d'un éléphant. Ça trompe, ces animaux-là. Adieu, ma belle. Thank you.